Tu fais quoi? Eh, hey, hein? Tu fous quoi? Oui, alors écoute, on nous a demandé d'introduire Nathanaël Rocha. Alors je m'en occupe. Chut, ça me fait plaisir. Ben, si on se fait pas virer après ça... Premières impressions sur ce quatrième festival. Bah écoute, super, énorme à notre image, énorme. On a plein de... déjà, alors que c'est pas fini, mais on a déjà plein d'images et de beaux souvenirs. Et puis toutes les remarques, les bonnes remarques qu'on reçoit et tout ça, ça fait chaud au cœur. Après une année de boulot et tout ça, c'est... Ça marche trop bien en fait, on a peur que ça nous retombe dessus un jour. On a un formidable comité, on a des responsables, on a des bénévoles qui sont au top. Ouais. Une fois que le festival est lancé, tout roule, c'est vraiment super agréable. Ça devient vraiment super agréable. Une bonne ambiance, top. Vas-y, fais-la toi, Maxime. La soirée la plus stressante, qui donnait le plus de travail, c'était jeudi. Parce qu'on avait la directe avec Canal 9, donc beaucoup de techniciens, un studio télé dans les loges, une vingtaine de comédiens, d'artistes dans les loges, beaucoup de bordel dans les loges. Ouais, beaucoup de monde. Et puis c'était une première pour nous, ce direct télé. Enfin, ce spectacle en direct. C'est la première fois qu'on a été obligé de commencer à l'heure, un spectacle aussi. Aussi, ouais. Non, c'était... Mais tout s'est super bien passé, donc une fois que le spectacle commence, tu décompresses. Ouais. Hein? C'est pour ça qu'on a fait fort après. Exactement. Notre soirée coup de cœur, comme on avait annoncé avant le festival, c'était clairement Christelle Chollet, et puis je crois que tout le monde est d'accord. En faisant le bilan du festival, que c'était clairement la soirée la plus détonnante et la plus étonnante de cette quatrième édition. Alors, une anecdote marrante de ce quatrième festival. La vache. Pour Christelle Chollet. Ouais. Donc, quand elle était venue faire sa petite journée promo il y a 3 semaines, elle avait émis le souhait d'avoir une vache ici à Champéry, parce qu'elle date en Suisse d'avoir une vache sur scène. Et puis Maxime a trouvé une belle grosse vache. En résine, hein, parce qu'une vraie c'était un peu compliqué à faire venir, donc on a dit on prend. Et puis donc elle n'était pas du tout au courant, on l'a cachée sur scène et tout. Ouais. Et puis à la fin du spectacle, on lui a amené ça sur scène, donc elle était très émue. Mais ce qui était drôle, c'était que nous deux, on était en train de la porter derrière, parce qu'on l'a cachée, il ne fallait pas qu'elle la voie, donc on l'a portée derrière. Et puis. Derrière, dans les coulisses, c'est pas beaucoup de place. Et puis ça, c'est gros à porter. Ça prend... Puis nous, on n'est pas très musclés, finalement. Alors, et puis on est tombé plusieurs fois avec cette vache sur nous. On avait peur que ça nous tombe directement sur scène pendant le spectacle. Mais c'était un super moment. Ouais. Super moment. Le plus grand couac, la web TV. La merde. Un boulot à chier. Ouais, c'est vraiment nul. Non, moi, je crois que, pour l'instant, d'énormes couacs, j'en vois pas. Après, c'est clair qu'un festival comme ça, il y a toujours des petites choses à remettre en place au fur et à mesure des jours que le festival se passe. Mais c'est vrai que de gros couacs, pour l'instant... Où est Patrick qui ne s'est pas levé ce matin? Ça, Patrick, c'est un petit couac. Matin. Où es-tu, Patrick? Où es-tu? Combien d'heures de sommeil à rattraper après un festival? Ouais. Si tu veux, 4 plus 2, tu retiens 4. Racine carrée, tac, tac, tac. Non, mais quand tout se passe bien comme ça, c'est super. Et puis on finit le festival comme ça avec plein d'images en tête. Et puis ça fait partie du jeu surtout, n'est-ce pas? On reprendra des couleurs. Ah bon. Pour la cinquième édition, déjà des noms? Non, pas de noms pour... Cette année, vraiment, non. Mais... On a plein d'idées, mais... Il y a plein d'idées sur le cinquième anniversaire, on veut faire quelque chose de sympa, hein. Ou pas. Parce que soit on fait quelque chose de sympa, soit on fait pas. Voilà. Mais des noms, il y en a absolument pas cette année, ça c'est sûr. On a des idées, et puis on va remettre tout ça en route assez rapidement. Bon, on peut dire, il y aura Laurent Bastardo, certainement. Laurent Bastardo, oui. Euro Maxime, qui sera là. Et Patrick aussi. Patrick Serpès. Alors, tu la trouves comment? Honnêtement,
Oui. Mieux qu'avant. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Hein. Autant les mecs que les filles. Ah oui, autant. D'ailleurs, mon père l'adore. Feuilles, cailloux, ciseaux, 1, 2, 3. T'as perdu, mec. Faut que tu ranges les chaises, alors. Ok. Mais je vais les mettre où? Viens, je te montre. Voilà, faut les poser là. Ok. Voilà, je vais filer chercher. Ouais, vas-y, vas-y. Dégage-toi. Prends-en trois à la fois, je pense. Trois à la ouais, fois. Ouais, sinon tu vas te faire chier. Oui, oui, t'as raison, c'est... J'ai pas pensé. Allez, merci. Attention. Pardon. Excusez-moi. Faut pas s'en débarrasser, ce garçon.